C'est un jardin. À coup sûr, ce jardin aurait inspiré Charles Trenet, car il n'a rien d'ordinaire avec ses 200 variétés de plantes et de fleurs. En contrebas du moulin restauré, il s'étend sur 800 mètres carrés. L'idée a germé dans la tête d'Evelyne, l'épouse d'Erwin Schriever. L'idée de ce jardin, en fin de compte, c'est refaire un jardin d'antan, hein, pour retrouver le plaisir de se promener dans les jardins et puis aussi le côté pédagogique et ludique pour les enfants. Ouvert depuis un an, il a été créé avec un but précis, comme une Madeleine de Proust, à l'attention des visiteurs, retrouver l'esprit d'antan, à l'époque où les engrais et l'arrosage automatique n'existaient pas. Dans les campagnes, il y a toujours eu des jardins, on a toujours apprécié, et surtout aussi, c'est faire un jardin écologique. Hein. Donc le jardin est arrosé par l'eau du puits de la grange, et tout ça, ça fait qu'on a un beau jardin et aussi on respecte l'environnement. Cette année, 30 classes ont visité le moulin et son nouveau jardin médiéval. Les bénévoles de l'association ont tout prévu pour donner du charme à la visite, du nom des plantes aux histoires magiques, réelles ou imaginaires qui les accompagnent. C'est pas un jardin comme les autres. Voilà, déjà. Et les plantes médicinales, ça m'a plu. Refaire des recherches sur les livres anciens pour retrouver des recettes à base de plantes médicinales. Ce que les gens faisaient avant, il y avait des sorcières, soi-disant sorcières, qui nous faisaient des potions. Alors il y avait des potions maléfiques et magiques. Donc c'est surtout sur ça que j'ai travaillé avec Erwin Schriever, pour chercher des histoires, pour expliquer à quoi servaient toutes ces anciennes plantes. Une potion magique qui a bien pris ce week-end. Le public est conquis, le jardin exhale déjà les parfums espérés, la nostalgie et les arômes de jadis dans un cadre exceptionnel. Ah, très agréablement surpris et je conseillerais aux gens de venir le voir. Moi je retrouve les odeurs de ma Bourgogne natale, et donc avec des senteurs comme le thym, comme le romarin, qu'on mettait bien pour assaisonner dans les plats. Et la bonne cuisine. D'autres projets sont envisagés sur le site du moulin de Doche, comme une maison dédiée aux teintures, à base de plantes, bien entendu.